is an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Buongiorno, Ezio. Le moment est venu de rendre visite au soupirant de Lucrezia, Pietro. Mes hommes sont déjà à sa recherche. Molto bene. Ezio, écoute-moi. Y a-t-il ? Je sais que quelqu'un a prévenu Rodrigo de rester à l'écart du château. Machiavelli ? En as-tu la preuve ? Non. Ne laissons pas de vulgaires soupçons nous diviser. Les Borgia ! Ils savent où se trouvent nos espions. Qui a parlé? Maestro Machiavelli nous a demandé si nous avions retrouvé Pietro. Ezio. J'ai vraiment du mal à croire que Machiavelli soit un traître. D'abord l'attaque de la villa, puis le château, et maintenant ça, c'est forcément lui. On va tracer côté et débarrasser la cité de Syrah. Ne laissez pas s'enfuir.
Dis-moi ce que tu as trouvé. Pietro sera assassiné ce soir. Cesare a envoyé son exécuteur. Micheletto, le meilleur tueur de Rome. Personne ne lui échappe. Jusqu'à ce soir. Allez! As-tu appris quelque chose sur Pietro ? L'homme que tu recherches est un acteur de théâtre. Il doit se produire dans une pièce ce soir. Vai, vai ! Aspetta. Qu'as-tu appris au sujet de Pietro ? Il sera suspendu à une croix. Micheletto va le transpercer avec une lance. Où est Pietro ? Je ne le sais pas. Mais Micheletto attend à la porte de la cité, à l'est des thermes de Trajan. Ces hommes vont se déguiser pour que la mort de Pietro ressemble à un accident. Il me conduira à l'amant de Lucrezia. Ezio, Machiavelli nous a trahis.
Je souhaiterais croire le contraire, mais le doute n'est plus permis. Tu n'as plus le choix, supprime-le. Si tu refuses, je m'en charge. Si Volpe ne m'aide pas, je vais devoir compter sur mes nouvelles recrues. Dans mon échoppe, vous trouverez uniquement des moulages et des jointures de qualité. Pitié, je n'ai rien fait. Francesco Troche, mon ami. Pourquoi mentirais-je? Tu as révélé mes projets pour la Romagne à ton très cher frère, qui s'est empressé d'avertir l'ambassadeur de Venise. Je ne pensais pas à mal. Je suis votre serviteur et votre allié. Alors tu me demandes de fermer les yeux sur ta trahison au nom de notre amitié. Ayez pitié, je vous en conjure. Pour réunifier l'Italie, je dois impérativement contrôler toutes les institutions. Et si l'Église ne se plie pas à ma volonté, je n'hésiterai pas à la faire disparaître. C'est vous et vous seul que je sers, pas le pape. Oh, vraiment, Troche. J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'en être tout à fait certain. Vous allez me tuer, moi, votre fidèle allié? Bien sûr que non. Vous me laissez partir? Merci, Cesare. Vous ne le regretterez pas. Garde! Donnez à Micheletto les costumes de la pièce. Lucrezia est à moi. Personne ne la touchera. Assure-toi bien qu'il ne survive pas. À vos ordres, Cesare. J'oubliais. Jetez le corps de Francesco dans le Tibre. Aspetta.
Plus un geste. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito, tiens. Pierre de porter ses couleurs, faire ses rampées devant les portes. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito ? Tiens, ça c'est pour toi. Il va mourir! Recommandez aux pèlerins qui viennent d'arriver.
Omnium. Vous n'êtes que les esclaves des ponts. Ya ya. Dès que tu es déguisé, tu me suis à l'amphithéâtre. Capito? Il tuo costume. Je cherche Pietro. Il est sur scène, signore. Un de mes hommes va vous conduire à lui. N'oubliez pas, j'aurai un pourpoint noir. Protégez-moi et attendez que Pilate s'adresse au centurion pour agir. Il faut que je trouve Pietro avant lui.
Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi? Oui, pourquoi m'as-tu ainsi abandonné? Merde! Quelle est la croix de Pietro? Écoutez! Mais écoutez le don imploré Ellie de venir le sauver! Attendons encore un peu et nous verrons bien si Ellie ose venir à ton secours. J'ai grand soif! Oui, j'ai grand soif! Oui, seulement, point, tu ne boiras! Je ne le vois nulle part. Cet homme... Ils n'ont point été. Je revenais à cette heure qu'il est celui de la prophétie et qu'à travers lui, Dieu s'est manifesté. Centurion, Dieu m'a tout donné et à toi il n'a rien donné, car tu ne sais même pas lire. Quand ton cœur se mettra à saigner, alors nous verrons bien ce qu'il adviendra. Maintenant, je t'en conjure, long Dieu. Prends cette lance dans ta main. Oui, prends cette lance et prête-nous attention. Car le moment est enfin venu. Tu devras, quand le prêtre te l'ordonnera, t'exécuter ainsi qu'il te sera demandé. Alors qu'il en soit ainsi. Cet ordre contre ma volonté, je l'exécuterai. Mais je tiens à vous le dire. J'en redoute les effets, au mal ou au bien. Je ne sais à quoi me fier. Puissant Seigneur, je te vois devant moi. Cette eau qui ruisselle sur ma main et aussi sur ma lance. Si dans mes yeux elle pouvait couler, peut-être verrais-je ce qui est. Seigneur, dis-le-nous, je t'en conjure. D'où vient cette eau? Hélas, hélas, pauvre de moi, mais qu'ai-je donc fait? Car à la vérité, l'homme que je vois, me faut-il vraiment le tuer? Je ne puis m'y résoudre et pourtant, je dois m'exécuter. Pitié, mon Dieu, écoute ma prière et ne me juge point sur cet acte. Jésus, souvent j'ai entendu parler de toi, des malades et des aveugles, que dans ta grande miséricorde, tu as accepté de soigner, tout comme tu m'as soigné aujourd'hui. Je te servirai, je serai à tes côtés, quand le troisième jour tu reviendras. Cette promesse... Je te fais. Seigneur, sois béni. Oh, Seigneur! Pourquoi t'ont rappelé à toi cet homme qui est accroché là? Et qui, du droit chemin, jamais ne s'écarta? Car il est le Fils de Dieu! Une tombe m'attend là où il sera enterré, car à ses côtés, je trouverai la béatitude. Joseph, je te le dis, sans aucun doute, il est le Fils du Seigneur, le Messie envoyé par le Tout-Puissant. Va demander son corps à Pilate, et nous pourrons enfin l'enterrer. Je vais t'aider humblement à le descendre de sa croix. Noble Pilate, je sollicite une faveur que dans ta grande bienveillance tu m'accorderas peut-être. Le prophète qui est mort aujourd'hui, permets-moi de recevoir son corps. Joseph, je le puis de bonne foi. Si ce centurion ici même...
Tu ne peux pas sauver Pietro. Le vin qu'il a bu était empoisonné. Comme je l'ai promis à Cesare, je n'ai rien laissé au hasard. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas venu te tuer. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Libérez-le! Nous n'avons pas répété cette scène! Retenez les gardes! Ezio! Nous sommes venus t'aider! Arrêtez les gardes! Fuis! Ils vont fuir! Qui êtes-vous? Ton sauveur. Attendez cette vermine! Maintenant! Déjà planté. Je vous en prie! Voilà! Arrêtez-le! J'attends le fou pour voir qu'il sera enfin débarrassé de ces vermines de Portia. On l'a empoisonné. Ce teint. Cantarella. Buvez ça. Vite! Laissez-lui un moment. Je me sens un peu mieux. Eh bien, les sangsues vont le remettre sur pied. Je ne sais comment vous remercier, je... Donne-moi la clé du château Saint-Ange. Vite. Mais de quoi parlez-vous? Je ne suis qu'un pauvre acteur. Cesare, c'est tout pour toi et Lucrezia. Tenez. Non! Attends-nous! Nous vous croyons mort, Cerezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'y vais! Je dois aider les troupes! Un momento! Je t'ai vu à la Villa Auditore pendant l'attaque! Maintenant. Trop malin. C'est toi le traître, pas Machiavelli. Lambio Borgia! Merde.
J'avais raison. Je dois trouver la Volpe avant qu'il ne tue Machiavelli. Un de nos hommes. Il était à la villa. Regarde, il avait cette lettre. Dio mio. C'est une bonne nouvelle? Plus que tu ne crois. J'ai une nouvelle dette envers toi, Ezio. Entre deux amis qui s'estiment, les dettes n'ont pas lieu d'être. Oui. Merci de m'avoir transmis le message à temps. Viens, Niccolo. Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé. J'ai appris que la passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon? Apparemment, Jésus-Christ a ressuscité avec 3 jours d'avance. L'ami! Ça va bien. Revenez quand vous voulez. Volpe, quelle nouvelle de Rome? Tout se passe bien. Les Français et les troupes du pape sont en déroute. Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et fais venir Claudia. Maintenant? Oui. La Shahaya Wahak, Boutlak Balek Kulun Mumkin. Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père, et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. Sois des nôtres. À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. Niccolo. Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient, celle de chef de tous les assassins. Ezio Auditore da Firenze. Dorénavant, nous t'appellerons il Mentore, le gardien de notre ordre et de nos secrets.
Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain ? J'ai toujours été à tes côtés. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. Tu l'ignorais, voilà tout. Maestro Machiavelli, Cesare est revenu à Rome seul. Il se dirige vers le château Saint-Ange. Grazie. Alors ? Cette décision t'appartient, Ezio. Niccolo. Tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi ? Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. Bon conseil. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. Mes amis, cette semaine, tous mes prix sont sacrifiés. Venez, profite. Changez d'avis. Revenez nous voir. C'est nous, finalement.
Buon Dio, ne faites pas la... Salute a voi. T'as vu le chevalier mort ? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, Deo gratias. J'ai entendu. Le baron de Valois est mort. Non. Maintenant, Bartolomeo d'Alviano va sûrement s'opposer au pouvoir du pape. La campagne de Cesare est compromise. Est-ce là une mauvaise chose? Peut-être pas. D'aucuns prétendent que le pape est privé de toutes ses ressources. Sul serio? Ces caisses ne peuvent pas être vides. Si l'argent venait à lui manquer, sa sainteté ferait assassiner un autre cardinal fortuné. C'est indigne. Ezio Auditore. Qui ? L'assassin. Celui qui a tué le banquier. On raconte qu'il est capable de s'introduire à l'intérieur du Vatican sans que personne ne puisse l'arrêter. Alors tout n'est peut-être pas perdu. Le règne de Cesare va enfin cesser, et l'Église retrouvera sa gloire d'antan.
J'écrirai les sermons, et je les déposerai à l'intérieur du tombeau. Surtout, tâche de te montrer convaincant et dévoué. Les adeptes obéissent aveuglément à nos ordres, padrone. Tous croient suivre la parole de leur dieu. Bene. As-tu apporté la clé? Oui, padrone. Que le Seigneur soit avec toi. Et avec vous, padrone. Assassino ! Tu ne m'attraperas pas ! En me rapprochant un peu plus du Seigneur, je m'éloigne un peu plus de toi, assassino ! Assassino ! Tu ne m'attraperas pas ! En me rapprochant un peu plus du Seigneur, je m'éloigne un peu plus de toi, assassino ! J'ai l'impression que Dieu est de mon côté, assassino!
Qu'est-ce que tu me veux, assassino? Les adeptes de Romulus œuvrent tous pour le pape! Évidemment, ce sont des ignorants. Nous seuls détenons la vérité. Leur barbarie convaincra le peuple de suivre la lumière de l'Église. Bonne chance! Tu me veux, assassino ? Les adeptes de Romulus œuvrent tous pour le pape ! Évidemment, ce sont des ignorants. Nous seuls détenons la vérité. Leur barbarie convaincra le peuple de suivre la lumière de l'Église. Bonne chance ! Imbécile! Comment peux-tu déclarer la guerre au seul instrument qui empêche le peuple de renverser le pouvoir en place? Ton ordre appartient au passé!
Justement, leur voilà. Seront directement cuites dans l'eau chaude des célèbres sources. Vous êtes priés d'apporter votre couvert. Il est conseillé d'éviter les vêtements de certaines couleurs dans les quartiers concernés. Nous vous demandons de vous montrer extrêmement prudent. Eh bien, on ne voit pas ça tous les jours. Très efficace contre la... Ne dites rien, j'ai deviné. Vous êtes en quête d'un trésor. On peut savoir qu'est-ce que ça veut dire, colère? Auriez-vous perdu la raison? Je vais appeler les gars. Peste. Quelque chose de malsain en là. C'est échappé d'un cirque ou quoi? Nous vous remercions de vous montrer pourquoi avec eux. Qualité ne rime pas forcément avec cherté. Sauf chez moi. Je voulais vous. La qualité a un prix, on n'y peut rien. Lea Shei Wakan Mutlak Belkulun Mumkin. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre. Pour éclairer le monde, nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis.
Il est bien trop malin, et c'est tant mieux. Faites plaisir à votre corps. Encore un client satisfait. Arrivederci. Et surtout, n'oubliez pas de... Hommage au protecteur d'État. J'ai perdu les... Les lâches et les traversera plusieurs quartiers de notre ville. Nous vous invitons à consulter le parti affiché sur la porte de votre ville. J'ai raison. De même que ceux qui ont du mal à se déplacer sans assistance sont priés de ne plus faire la quête à l'entrée des délits. Oh, très impressionnant. Je veux savoir pourquoi.
Un authentique Romulus présent dans notre belle cité. D'être prudent lorsqu'il marche dans les rues. Plus particulièrement quand il s'approche des... Wow. Yeah.